Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ici Hervé Matou depuis l'Orange Vélodrome. Salut Hervé, salut à tous. La ville de Marseille et le stade Orange Vélodrome qui ont accueilli plusieurs matchs du championnat d'Europe en 2016. Je pense à Angleterre-Russie, même si c'est pas le meilleur souvenir parce qu'il y avait eu des incidents. France-Albanie. Et puis surtout la demi-finale, France-Allemagne remportée par les Bleus 2-0. Grand souvenir. Ce match devrait être un régal et on se voit surtout deux joueurs en particulier. Deux éléments clés de leur équipe, on attend beaucoup d'eux. L'Olympique de Marseille qui traverse parfois des périodes mouvementées, avec des changements de propriétaires qui n'ont pas toujours été simples. Ah bah, il faut dire que l'OM, c'est quand même pas rien à Marseille. T'as des mordus qui suivent l'actualité du club du soir au matin. Qui portent même l'écharpe au mois d'août. Oui, ça c'est vu. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing. Oui, c'est ma première impression en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire, donc je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. Les joueurs marseillais qui viennent de donner le coup d'envoi. Hiroki Sakai. Ah oui, il est passé, joli geste. Techniquement, c'est fort. Ouais, le tacle glissé. La bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Florian Thauvin. Diaz. Ouais, lumineuse cette passe. Choisit la frappe. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Et c'est un corner, hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Attention à ce corner bien tiré par Dimitri Payet. Rami. Peut-être une bonne opportunité, attention. Le tir. Et le dernier mot pour le gardien. Ah, il lui redonne. Yabo. La voie est libre. Oh, que c'est bien mené ça. Ah, le ballon est perdu. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Minamino. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Sanson. Valère Germain. Anguissard. Est-ce ce ballon qui traîne? Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Sanson. Les Marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse. On laisse debout. Takumi Minamino. Berisha. Non, non, ça ne passe pas. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, le but, l'ouverture du score dans ce match.
match. À la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. La frappe, elle ne laisse aucune chance au pauvre gardien. Cette distance est quasiment imparable. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Hiroki Sakai. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Un duel pour la récupération du ballon. La touche avec une remise en jeu marseillaise. Florian Thauvin. Hiroki Sakai. Valère Germain. Hiroki Sakai. Ah oui, le bon ballon là. Le gardien qui ne peut que repousser. Oui, le but. Ah, l'anticipation, la puissance, la précision, il y a tout. Tout y est, sauf peut-être le timing, la précision et évidemment la puissance. Allez Pierre, on revoit ce but au ralenti. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Allez, tout est à refaire, un but partout. André Ramayo. Takumi Minamino. Dias. Dimitri Payet. Les Marseillais à l'attaque. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Luis Gustavo. Anguissa. Takumi Minamino. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah non, l'action le donnera. Oh, le ballon dangereux. En retrait pour un coéquipier. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Et l'équilibre parfait à la pause, un partout après ses 45 premières minutes. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. C'est mon avis, Pierre. Vous aurez pensé quoi vous, de sa performance? Alors, il a trouvé le chemin des filets, et même si au tableau d'affichage rien n'est fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore très actif en seconde période. On est à la moitié du chemin. C'est reparti maintenant pour 45 minutes. Et il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va voir, essayer de voir lesquels. Il tacle. La touche, le ballon a été dévié. Anguissa. Jordan à ma vie. Ça part bien, action dangereuse. Ah, dommage, le manque de précision, c'était bien vu, pourtant. Et le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe! Il va falloir préserver ce résultat maintenant, ça va pas être facile. L'équipe la plus forte, qui est donc logiquement récompensée. Comment ils sont supérieurs depuis le début, ils se sont créés plus d'occasions. Et c'est le qui mène au score. Yabo. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Jordan à ma vie. Elle a peut-être une bonne occasion. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Pas de problème pour le gardien. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Adil Rami. D'accord, ça commençait à devenir dangereux.
Un corner bien tiré. Valère Germain. Allez, le corner est tiré. Valère Germain. Une, deux. Ils sont à la lutte. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Ouais, lumineux cette passe. Ah, trop mal dosé cette passe pour être efficace. Oh, c'est une balle d'égalisation. Et c'est un but. Et regardez comment il a mis ce ballon dans la lucarne. Et regardez avec quelle détermination ils sont venus arracher cette égalisation. C'est d'autant plus fort qu'on est en toute fin de match. Ouais, on avait peur qu'il soit un peu émoussé sur le plan physique. Il n'en est rien. Allez, encore une égalité. Attention que ça peut être dangereux. Pelas d'Abou. Takumi Minamino. Lorient Thauvin. Samson. Payet. Et il est dépossédé du ballon. Yabo. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Samson. Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. André Ramayo. Diaz. Les Marseillais à l'attaque. On laisse d'abord. Yabo. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Est-ce qu'il va prendre un avertissement ? Je crois qu'il va être averti. Oui, carton jaune, l'arbitre est très clair. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Lorient Thauvin. On s'approche de la zone de vérité. Non, non, ça ne passe pas. Berisha. Avant la fin. Quel réalisateur qui nous montre ce qui sera peut-être le but de la victoire. Ouais, on ne veut pas leur porter l'œil, Hervé, mais ils sont quand même bien placés pour créer une énorme surprise. L'OM mené dans ce match. Florian Thauvin. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. C'est bien centré parce qu'il y a du monde. Allez, le corner qui peut peut-être permettre à l'équipe de prendre un avantage définitif dans ce match. Ouais, changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système histoire de préserver le résultat. La relance pas terrible. Il ne faut pas se rater hein, dans cette zone. Ah, excellente défense. Excellente défense sur ce coup. Il y a peut-être l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Voilà ce match amical qui se solde par une défaite pour eux. On a vu un bon joueur aujourd'hui, hein, sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Une bonne opération pour lui. Il a marqué, son équipe a gagné. Belle satisfaction pour tout le monde.